Bonjour, ravi de vous retrouver en cette fin d'après-midi. Ça s'annonce fort sympathique avec Christophe Dugarry. Merci Grégoire, excusez-moi du retard, j'arrive. Des visages concentrés et déterminés. Je crois qu'on va avoir un match très intéressant. C'est le premier tour et les deux équipes se préparent à un match chaud, 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 car une défaite aujourd'hui signifierait la fin des espoirs pour la suite du tournoi. Ce qui est... Ça y est, le début de ce combat appelé bien sûr la phase finale de ce tournoi. C'est un stade vraiment magnifique, on sent vibrer le public autour de la pelouse. Il y a énormément d'espoir sur cette rencontre. Attention, attention, on repousse des points, corner. C'est très haut. Ça ne passera pas, pas cette fois. Un bon dégagement, solide. L'occasion d'ouvrir la marque. Et ce ballon dans la surface. La demi-volée, allez! Et c'est dedans! Fantastique, il marque dans cette première période. Un but important, bien sûr, pour la suite de la rencontre. Quel but fantastique, quelle fluidité dans la volée et d'en haut, ça a l'air encore plus facile. Oh, c'est chaud dans les tribunes après cette magnifique frappe. Quelle ambiance! Et c'est reparti sur ce score de 1-0. Je crois que ça risque d'être de bien meilleure qualité maintenant que l'adversaire est obligé de faire le jeu. Frappé maintenant! Une bonne interception et dégagement en tout. Allez, un nouveau but peut-être? Était évidente là. Ils seront décrochés s'ils encaissent un but. On est bien parti. C'est trop, beaucoup trop dans les nuages. Il avait réussi à trouver une bonne position de frappe et se débarrasser de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son tir. Bientôt 30 minutes de jeu dans la première période. Coup franc accordé. La frappe! C'est trop, pas de beaucoup. Si la défense lui laisse trop d'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, ça va commencer à devenir très pénible pour lui. Minute de jeu, il ne mène que d'un petit but.
attention. Et le gardien maîtrise la situation. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Ah, s'ils jouent avec autant d'enthousiasme en deuxième mi-temps qu'ils ne l'ont fait en première, on devrait se régaler. 1-0. Et pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, sachez que la première période a été très intéressante. J'espère que la suite sera encore plus mouvementée. Et si je regarde bien le terrain, a priori aucun changement. Les deux équipes se présentent dans la même composition qu'au départ. Il faut dire qu'on ne change pas une équipe qui fonctionne bien, à moins que l'arrêt du gardien sur ce tir tendu. L'heure de jeu. Le ballon a franchi la ligne. Allez, c'est bien joué, il peut faire quelque chose. Voilà, ce sera une remise en jeu. C'est bien d'ouvrir le jeu, allez! Il centre vers le point de pénalty. Et il est dégagé. Et la touche maintenant, ce changement. C'est bien d'utiliser la largeur, de passer par les ailes. C'était bien essayé. Ben certes, c'est une tête compliquée à réaliser, mais il aurait au moins pu essayer de cadrer le ballon. C'est confortable maintenant. Et vont-ils essayer de creuser l'écart un peu plus? L'entraîneur a pris ses responsabilités. C'était quitte ou double, il fallait prendre des risques. Allez, la frappe! C'est bien défendu. Voilà, le coup de sifflet marquant la fin du match. C'était compliqué de rentrer dans cette compétition, ils y sont parvenus de la plus belle des...